Maurice Lemaitre, Nos stars chronique des fantasmes et des rêves des femmes du cinéma d'avant-garde contemporain. Des visages et des corps de femmes nouvelles arpentent désormais les chemins et les ruelles du cinéma d'avant-garde. Comme hier, Liliane Gish, Mary Pickford, Asta Nielsen, Louise Brooks ou Georgette Leblanc traversaient les avenues glorieuses du film créateur. Mais si nous n'avons presque toujours connu que plus tard, par des livres, l'imaginaire des stars du passé, nous avons la chance de pouvoir encore prier nos amis d'aujourd'hui, qui sont nos stars à nous, cinéastes de ce temps, de nous dévoiler pour notre enchantement un peu de cet imaginaire qui est le leur à présent. Maurice Lemaitre, 4 février 2002. Paris, le 4 février 2002. Cher ami, je dois réaliser pour le festival annuel de Marcel Mazet en décembre 2002 un nouveau film. La présentation de ce film, que je vous joins à cette lettre, doit vous donner une idée de la collaboration que j'espère recevoir de vous pour cette œuvre. Puisque vous êtes une de ces femmes du cinéma d'avant-garde d'aujourd'hui, je vous demande de participer à l'élaboration du film de deux façons. La première, en nous permettant d'utiliser votre photographie, celle que vous nous donnerez ou celle que nous ferons exécuter spécialement. La deuxième, en décrivant pour nous l'un de vos fantasmes ou rêves amoureux, voire érotiques ou autres dans un texte qui peut être de la longueur et de la forme que vous souhaiterez vous-même et qui sera utilisé comme son je vous remercie de bien vouloir me répondre avec enthousiasme à cette proposition ce qui vous permettra peut-être si nous arrivons au terme heureux de cette réalisation de pouvoir vous comparer aux grandes figures féminines du cinéma novateur du passé maurice le maître. PS Il va de soi qu'ormis moi-même personne ne saura le nom de l'auteur de chaque texte et qu'il n'accompagnera pas votre photographie à l'écran ceci à la fois par souci de confidentialité mais surtout pour permettre une totale franchise qui serait interdite dans le cas contraire